Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se prépare, là, on s'en va. On s'en va sur Montpellier parce que j'ai un rendez-vous médical. Bon, ne me posez pas de questions, vous en saurez plus très très vite. Je vous expliquerai ça très très vite, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc là, on a préparé les petits bagages. Et puis voilà, après, je pense qu'on va partir en Espagne. Normalement. Quoi? Je n'y vais pas très externe. Je sais pas. T'as tout préparé? C'est bon? On peut y aller? Bon, ben allez, on va prendre la route là, parce qu'on a du trajet. Regardez, on est passé dans une ville. Attendez. Et toute la ville, elle est décorée en rose. Et vous savez pourquoi? Pour Octobre Rose. Et Octobre Rose, c'est quoi? C'est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Voilà, et toutes les vitrines, elles étaient décorées. Ça, c'est bien, ça. Ouh, je me souris dans la figure. Et que je suis vilaine dans mon blog. On se retrouve où? On se retrouve là à, ben, on est à Odysseum, on est à Montpellier, là. On est à Montpellier, après j'ai rendez-vous à 15h20, donc en attendant... Pas de meilleure qualité que moi. Parce que moi je suis belle. Tant que j'ai... Vu que j'ai rendez-vous dans une heure, on est à Odysseum parce que c'est juste à côté. Donc en attendant, on va aller faire un petit tour comme d'habitude à Odysseum. J'arrive même pas à regarder l'objectif tellement qu'il y a du soleil. Voilà, je vous laisse, il y a du monde qui arrive. Allez, à plus tard. Attendez. Allez, les trois. À plus, ouais. Titi, Sassen. C'est bon. Sassen s'est pris une fougasse. Parce qu'on n'a pas mangé encore. Et moi, je me suis pris une petite salade de pâtes. Déjà de pâtes avec non parce qu'il y a le cookie dedans. Waouh, c'est trop belle. Ouais, c'est trop retouché. Bon allez, on va aller bouffer vite fait et après je vais à mon rendez-vous. Voilà, moi j'ai pris une bonne petite salade. Regardez là. Par terre. Ça va, on est bien? C'est bon? C'est bon ou pas? C'est le goût à la pizza, non? Concentré. Ah ouais. C'était meilleur ma salade, hein? Je te l'ai dit, moi. Bon, c'est bon, là, j'ai fini mon rendez-vous. Bah, du coup, vu qu'on est allé un petit peu loin, Montpellier, je me suis dit, pourquoi pas continuer à aller un petit peu plus loin. Donc là, direction Rosas. On va passer une petite nuit là-bas. Une petite nuit, et puis on va voir ce que ça donne à cette période-là, parce qu'on n'a jamais été pendant cette période. Et on va voir ce que ça donne. Déjà il fait chaud, c'est déjà bien, il fait soleil, donc on va profiter avant l'hiver. Et puis je vous montrerai tout ça. Évidemment. Et on va manger quoi, Tissène, là-bas? Elle dort? Oui. Ah mince, on va chercher quoi? Les beignets. Les beignets de Lidl. Les beignets de Lidl. T'es contente toi des beignets? Non? Il dit ça, mais ça va être le premier à bouffer le beignet. Bon allez, je vais faire un petit somme, je crois. Regardez, c'est pas les grandes vacances, mais alors la route de l'autre côté, elle est plus que blindée. Il y a les bouchons. Ah, ça y est, les bouchons s'arrêtent ici. Voilà. Donc là, on vient juste d'atterrir en Espagne. Ah oui, on a atterri en avion. Oh, on a atterri en avion. Ferme la vitre. T'as froid? Regardez, il n'y a que des poids lourds. Il n'y a plus les vacanciers. Je sais pas ce qui se passe là-bas, je vais pas filmer à côté, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a eu quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ils ont arrêté quelqu'un. Ah ouais, ils ont arrêté quelqu'un avec le BM. Ouais, je crois. Moi, je filme pas, je m'arrête. Faudrait pas qu'on nous arrête à nous. Où allons-nous? Où allons-nous? Allons-nous ici? Où allons-nous ici? À votre avis, où allons-nous? Automobile là? Non. Vous pensez que Tissène a préféré aller ici? Attendez, il y a l'arbre devant. Oh, il y a quoi à côté? Ben ça aussi, c'est un restaurant. Mmh. Tiens. Réponse. Arrête de péter, s'il te plaît, parce que depuis tout à l'heure, tu nous as bouché les narines là. Péton. Eh ben non, on va ici. Par contre, j'avais une petite annonce à vous faire. Ouais, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai quelque chose à vendre. J'ai quelque chose à vendre parce que je l'ai en double.
Calmez-vous, laissez-moi faire ma blague. Ça fait 8 fois elle nous fait la blague. Non, je l'ai pas fait encore. Elle a fait la blague sur mon vlog, je vous invite à vous rejoindre sur mon vlog. Non mais j'ai quelque chose à vendre, pour de vrai. J'ai quelque chose à vendre. Mon double menton parce que je l'ai en double. C'est rigolo tout ça. Ils peuvent pas me laisser tranquille. Ils me cassent mon délire ces deux là. Ben oui, parce que comme on voit au McDo, ben c'était pour voilà. Si vous avez rigolé, mettez un pouce en bas. Et je sais que personne n'aura rigolé, ben il y aura pas de... Pourquoi tu te caches après avoir fait ta blague? Et salut. Arrête parce que tout le monde a dit que t'étais moche. Je suis plus belle que toute la France réunie. Mais parler de moche avec moi. Pourquoi tu chips? On a fini avec une glace. Et l'autre derrière, elle a fini avec deux glaces. Shane, pourquoi t'as fini avec deux glaces? J'ai le droit. Mes papilles gustatives sont en éveil. Tisane, pourquoi t'as fini avec une glace toi? Parce qu'elle est trop grosse, faut qu'elle fasse au milieu. J'en ai pris deux, je lui ai donné la mienne. Qu'est-ce qu'on dit quand on mange des glaces? Eh ben? Bah c'est bon. Non, c'est pas ça. Allez, chante. Allez, chante, Tisane. Moi je peux pas, j'ai deux glaces. Bon, ben là on se balade sur le l'allée là de Rosas. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas un chat. Et il fait froid. Il fait un peu froid. Et la mer est très agitée. Donc là, ce soir, il n'y a pas trop de monde. On verra demain. Parce que quand même, la journée, il fait quand même assez chaud. Enfin, pas chaud, mais il fait bon, quoi. Donc là, je pense que c'est plus les personnes âgées qui viennent tranquilles. Profiter de leur tranquillité. Ou les gens qui n'ont pas eu de vacances cet été. Ou alors... les gens qui n'ont pas trop d'argent parce que c'est la saison où c'est moins cher. Peut-être. Voilà. Bon, mais du coup, vu qu'il n'y a personne, qu'on se fait chier. Et je rigole pas, tu m'as fait trop mal. Ah. Ça claque. Voilà. Ah, voilà. Là, il y a eu un meurtre en direct. Tisane, tape-le à ton tour. Tisane. Ça fait choc. Tisane! Je vais mettre le badge. Oh. C'est pas mal ici. Il a mis le truc autour du cou. Elle est l'animatrice de vacances. Je suis un agent du côté. Chut! Je sais pas, c'est trop. Je crois que c'est le troisième étage. Ouais. Troisième étage. Il y a un ascenseur. Troisième étage. On dirait qu'on est dans un bateau. Regardez. Regardez, on dirait que c'est dans une cabine. Et heureusement qu'il y a l'ascenseur parce qu'on est troisième étage. Hein. Il y a quatre étages. T'es contente? Tu vas bien dormir? Ça va mieux, Tisane, ton cul. Regardez comment on est collé. Du coup, moi je peux pas filmer. Regardez comment on est collé. Allez, on sort. Ah, c'est bon. Allez, regardez comment elle me colle dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Comme toi. Ah, ben, on a fait 10 allers-retours. Ah, si gros père. Là où tu vas faire caca tout à l'heure. Je pense toujours à regarder si le trou il est propre. Ouais, tu vas voir s'il est propre le trou. J'ai carte. Petit salon avec cuisine kitchenette. C'est mignon, hein. Vivement demain. Oh, le poste des années 20. Ah, le poste des années 20. Première petite chambre. Et deuxième petite chambre. C'est mignon. Et troisième petite chambre. Fire when the strobe hits. Bet you're looking for something new.